Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont donné de leur personne. Ce jeudi 23 mars avant de se retrouver pour un nouveau numéro de la grosse rigolade, la bande de Cyril Hanouna était spécialement en forme. Comme il en a l'habitude désormais, l'animateur de C8 a commencé son émission en chantant les plus grands tubes de Laurie avant de se souvenir d'un boys band qu'il adorait, les Backstreet Boys. Et l'évocation de ce groupe des années 1990 a donné quelques idées à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs. Vous bougez très bien. Je voyais les garçons se trémousser. Il y a Backstreet Boys, pourquoi il n'y aurait pas les TPMP Boys? Vous faites une choré tous les quatre, a lancé Valérie Benaïm. Ni une ni deux, Cyril Hanouna a sauté sur l'occasion et a convié Raymond, Guillaume Janton et Mathieu Delormeau à le rejoindre au milieu du plateau de Touche pas à mon poste. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'ils l'ont tout donné. Au son d'un tube du groupe américain, l'animateur et les trois chroniqueurs ont offert une danse particulièrement loufoque aux téléspectateurs et aux filles, qui n'ont rien raté du spectacle. Un peu gênés, Guillaume Janton et Raymond se sont laissés aller petit à petit autour de Cyril Hanouna et de Mathieu Delormeau, beaucoup plus à l'aise. Après avoir commencé de dos, tous ont envahi le plateau en dansant très sensuellement. Une séquence hilarante, qui a beaucoup amusé les internautes. Cyril Hanouna bientôt à la retraite? Il y a quelques jours, les chroniqueurs de TPMP parlaient plus sérieusement et ont souhaité savoir si Cyril Hanouna pensait déjà à la fin de sa carrière. Vous avez une date dans votre tête? A notamment demandé Valérie Benaïm. Bien sûr que j'ai une date dans ma tête, a répondu du tac au tac l'animateur de C8, indiquant toutefois qu'il n'avait pas encore pensé au nom de son successeur. Ça ne vous manquera pas d'être sur un plateau télé? A ensuite souhaité savoir Valérie Benaïm. Les gens si. Et vous aussi, a assuré Cyril Hanouna, avant d'ajouter, mais on fera des choses, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas dit que c'était demain, mais j'ai la date dans la tête. Je vous la donnerai ultérieurement. En attendant, il continue à profiter du plateau de Touche pas à mon poste.